Salut tout le monde, c'est Freemanic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Cities Skylines. Après avoir fait notre prison, on va s'attaquer à quelques mises à jour, on va checker un petit peu ce que ça donne au niveau des campus. Et puis ouais, régler les petits problèmes qu'il y a dans la ville. C'est parti! Donc, alors du coup, j'ai fait, donc dans le dernier épisode, j'ai fait la prison. J'ai pas eu de retour de votre part, bah n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui n'est pas terrible, si vous avez pensé à quelque chose d'autre. Pour l'instant, on va s'attaquer au campus, on va checker un petit peu ce qu'il nous faut pour monter, parce que je voudrais vraiment remonter, monter le dernier échelon pour pouvoir récupérer... Enlever la politique d'éducation universelle pour gagner de l'argent. Parce que là, bon, pas que je sois dans le besoin, mais bon, quand même, quoi. Je crache pas sur 40 000 balles dessus. Donc, les étudiants, donc c'est bon. L'attractivité du campus, là, on est à 1000... Merde, j'ai même pas regardé. 1400 sur 1800. Donc, on va essayer de rajouter des bâtiments. Donc, c'est... C'est quoi? C'est de l'art libéraux, je crois. Ouais, c'est ça. Art libéraux. Donc, on va essayer de rajouter des bâtiments. Alors, on va devoir doubler quelques bâtiments. Hein. Sinon, je pourrais jamais atteindre... Ah. Hop. Sinon, je pourrais jamais atteindre l'objectif. Mais bah, tant pis. Hein. Oula, il y a un gros problème de hauteur. C'est pas grave. On va aligner ça après. On va rajouter une conciergerie. Je sais pas ce que ça fait gagner de l'attractivité. Enfin, ça m'étonnerait. On va en mettre une autre au cas où. Hop. On va rajouter un club de théâtre. Hop. Là, on a quoi? On a des jardins. Bah, ça, j'en ai... Ouais, ça, c'est pas forcément l'idéal. Un gymnase, donc ça... Je suppose que je l'avais mis à côté. Ça doit être ça que j'ai mis, là. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Là, on a quoi? La cafétéria. On va en rajouter une. Je sais plus où est l'ancienne. Enfin, la première. Elle est, ça va être ça. Ouais. On va en remettre une autre, du coup. Par là, là. Où est-ce qu'on va pouvoir caler ça? On peut caler ça, là? Non. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On va caler ça, là. Oh, non, on peut même caler ça, là. Ah, non, il y a les câbles et tout ça. Tout faire sauter, ça va être dommage. Allez, hop. On met ça, là. Bibliothèque, ça va être gros. Galerie des diplômes, bon, ça on l'a déjà. Auditorium, c'est trop gros. Ça va se voir si c'est doublé ça. Hop. On peut rajouter un truc. Ah ouais, mais non, c'est énorme ça aussi. Je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Club artistique. Hop. Voilà. On a combien du coup là? Hop, hop. 1754, forcément. Et ben on va rajouter encore un petit truc. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On va remettre un club là. Conciergerie. Dortoir. Il n'y a pas un autre club? Oula, ça c'est vraiment pas beau là. Hop. C'est ce que là, du coup, on a un terrain qui est vachement en pente. Du coup, c'est problématique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Alors ça, 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 ça. On va tout mettre à cette hauteur-là, admettons. Oula. Non, j'ai tout désélectionné. Alors, hop. Pourquoi ça ne veut pas sélectionner? Voilà. Alors. Hop. Oula.
Pourquoi ça m'a mis à cette heure là? Sérieux? Bon alors on va se mettre à cette hauteur là, c'était plus cohérent. Oh ma molette, elle me saoule. Alors là, on va mettre ça là, voilà. C'est déjà un peu mieux. Hop, ça au pire, est-ce que je peux pas le descendre un peu? Après ça va descendre devant, ça va pas faire, ça va pas être l'idéal. Ok, tant pis. Ça, hop. Voilà. Hop, on va mettre un peu d'arbre histoire de masquer. Rajouter des sapins. Il n'y a pas de sapin dans le coin, ou très peu. Ça va rajouter. Voilà. Donc je vais regarder au cas où si ça aurait bougé, mais je pense pas. 1748. Du coup, au niveau de dortoir, théoriquement, je suis largement bon. Bah tant pis, on va rajouter un autre truc ici. Un petit truc, là, c'est quoi? Un club artistique. On va rajouter un ici. Mettons là. Hop. Et là, je pense que du coup, on doit être bon. Ouais. Il suffit juste d'accueillir le bon nombre d'étudiants. Donc 1800. Bon, ça devrait monter, je pense. Est-ce que je peux pas monter les matchs? Ouais, ça va pas apporter grand-chose. Ouais, je pense que ça devrait monter. Non, ça descend. Génial. Génial! Faut absolument capacité d'étudiant, je suis à... ouais, jusqu'à 12 000, c'est énorme. Ah, 1750, oh putain, ouais, bah, on va attendre, on va voir, peut-être que ça va monter. Donc ici, on est où? Donc là, on est bon, on n'a pas assez encore d'étudiants. J'ai une capacité qui est largement suffisante. Politique, on va mettre hop, ça aussi, ça va porter une attractivité énorme. Hop, on va, okay, ce qu'on va mettre, on va tout mettre. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais mettre là-bas. Ça va apporter beaucoup plus d'attractivité. Et à partir du moment où j'ai débloqué le niveau, après, c'est bon quoi. 1789 politique. Ah bah j'ai déjà tout mis en fait. Si j'ai confiance, ça va arriver. On va y passer le, on va le passer le cap des 1800. Donc, ici, 700 sur 800, ouais, ça monte bien. Ça devrait le faire, je pense. Ok. Bon, alors, j'ai toujours pas de demande résidentielle. Aucune exigence. Tout simplement parce que j'ai des bâtiments qui sont... Enfin, c'est zoné déjà. Je vais essayer de faire monter un peu... pourquoi pas refaire une zone de bureau ici là. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une route comme ça. Comme ça. Pression d'être droit à peine, mais hop, à partir de là, hop, voilà, on va se mettre un cran en dessous le node, allez. Voilà, pas évident des fois. Hop. Ici, on peut mettre un peu. Comme ça.
Là. Pourquoi pas faire une liaison? Alors. Là, ça doit être à peu près bon. Ouais, un carré près. Oh, c'est pas dramatique. Hop. Là, ça risque de créer. Non. Hop. Voilà. Ça va conserver de la place pour des arbres. Hop. Mais il n'y en a pas beaucoup. On va rajouter un peu. Voilà. Donc ici, on va zoner des bureaux. Non, peut-être pas là. Hop, on va faire ça comme ça. Là. Bref, ça. Ça. Là, ça. Tout ça aussi. Mince. Hop, tout ça. Hop. Tout ça en bureau. Hop. Voilà. Bon, ça va faire descendre un peu déjà. Au niveau de l'eau, bon bah ça, il n'y a pas de problème. L'électricité, par contre, on n'a pas. Alors ça, c'est normal. On va mettre un petit power relais ici, faire une connexion. Voilà. On va rajouter des commerces dans le coin. Eh bien, pourquoi pas ici. On n'a pas de... On n'a pas de résidentiel, c'est l'idéal. Voilà. Enfin, du résidentiel, on en aura là, par contre. Hop. Voilà, donc dès que ça va pouvoir pop, ça va pop. Petit à petit, ça va pop. Au moins, là, on a fait baisser notre demande industrielle. La commerce aussi, elle est en train de se... Elle est en train de baisser puisqu'il y a les bâtiments qui pop là. Donc, j'ai foi, ça devrait fonctionner. On va regarder ce que ça donne là. Oh là là, je vais jamais les atteindre, les 1800. Au niveau des politiques, j'ai tout mis. Enfin, j'ai pas mis ça et ça, mais bon, c'est pas ça qui change grand-chose, quoi. Est-ce que là j'ai des choses qui... Donc, le bonheur des étudiants. L'attractivité du campus. Ça ne change rien. Non. Non, bah faut attendre, hein. Faut attendre et prier. Avec moi les gens s'il vous plaît. Si ça passe, il suffit que ça passe une fois le cap des 1800. Enfin que si ça non, bah non, faut que ça s'y maintienne jusqu'à la fin de l'année académique, remarque. Il me semble. Parce que là en capacité, je suis plus que largement trop large. Université, ouais, bah oui. Je vois pas ce que je vais pouvoir faire pour améliorer ça. Ici, on en est où? Donc, on est pas mal. Les étudiants, bah après, je pense qu'à mon avis, tu vois, je vais galérer parce que il y a l'autre qui tire énormément d'étudiants, quoi. Est-ce que d'ailleurs j'ai des universités à enlever éventuellement? Des universités classiques, celle-là? Est-ce que je peux pas en enlever? Ah, là j'en ai. J'en ai deux là. Alors pourquoi pas enlever celle-là déjà? Hop. Ensuite. J'en ai une là, j'en ai une là-bas. Là, celle-là, je vais l'enlever aussi. Hop. Voilà, ça descend déjà. Je vais voir si je les enlève toutes. On va voir. On va voir ce que ça va donner.
Il y a la liaison, il y a le tram, donc théoriquement. Oh là, bah non, mais là, par contre, là, je suis descendu, je suis en moyen là. Non, on va la remettre celle-là en fait. Hop. Celle-là, on la remet. Voilà. Donc là, on est bien. Est-ce que ça va. Je pense que ça devrait fonctionner. Ah là, bah oui. Bah voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est qu'en fait, j'en avais déjà beaucoup trop de placés. Avant campus. Du coup, là, j'en ai plus qu'une, j'ai plus que celle-là. Ouais, bah oui. Bah ouais, ça change tout. Bah, parfait. Parfait, ça. On va attendre un petit peu, du coup, le temps que l'année académique se termine. Et du coup, je devrais... Je vais level up. Et là, je vais pouvoir réactiver, donc, du coup... Enfin, renlever la politique d'éducation universelle qui fait que ça me génère plus de revenus. Et là, du coup, je vais prendre un plus 50 000... D'un seul coup, ça va faire vraiment plaisir pour les finances de la ville. On va regarder vite fait où on en est au niveau santé, tout ça. Donc là, bon, on est archi bon. Il n'y a pas de zone blanche. Peut-être là. On va rajouter une ici. Ça va pas leur faire de mal. Là en bas, c'est pareil, c'est un peu just. On va rajouter un là. Nao, c'est bon. Les pompiers. Là, c'est un peu just là. Là, c'est bon. Donc je suis à 58%, mais j'ai beaucoup d'arbres aussi, c'est pour ça aussi. Est-ce que j'en mettrais pas une ici? Ça va prendre ça. Ça, si je mets théoriquement, je vais faire un test. C'est mettant, j'en mets une là. Normalement, ça réduit, je crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais bon, après, si je peux en mettre une, par exemple, admettons là. Autour de l'aéroport. Je peux en mettre une là, sur la petite montagne à côté du village. Là, au plein milieu de la forêt, à côté de la centrale. Ça va réduire mon truc de danger. En soi, c'est pas forcément... je sais pas si ça va apporter de l'attractivité. Ça doit pas avoir... Ouais, ça coûte que dalle, ça, par semaine. Donc, c'est pas grave. On va voir si ça rapporte... quelque chose. Le danger bouge pas. Donc, je suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Donc crime, donc là, bon bah disponibilité des prisons, bah bien évidemment j'ai un peu de marge avec les prisons que j'ai fait là-bas, c'est normal. Donc là on est bon. Regardez où on en est de l'année académique, ça doit être quasiment la fin. Ouais, encore un peu de temps, hein. Encore un peu de temps. Ça c'est bon. Alors je vais checker l'autre. Là, ouais, on est large, on est 800. De toute façon, on a 5300 de place, quoi. On est vraiment bien, quoi. Du coup, ici, là, faut que je voie pour supprimer des dortoirs. Parce que, bon, j'ai 12 000 places, quoi. Parce qu'au final, ça, 426. Je comprends pas, parce que du coup. 426, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, donc x 10, 4000. Ouais, je comprends pas. Mais je devrais avoir 5000 places à peu près et j'en ai 12000, je comprends pas. Est-ce que ça, par exemple, admettons ça, ça prend de... Ah ouais, d'accord, étudiant, ah oui, ça, l'institut de formation, ça génère aussi. Est-ce que ça, non, ça génère pas. Ouais, c'est en fait les bâtiments génèrent et ça augmente la capacité de stockage en fait. Et d'accord, ok. Donc du coup tout ça là en soi, tout ça je pourrais les enlever quoi, si je voudrais. Je vais pas le faire maintenant parce que du coup si ça me refait de redescendre et que je loupe, ça serait dommage. Mais il va falloir que j'en supprime tout ça déjà. Je peux supprimer ces 4 là sans problème.
Je pourrais même supprimer celui-là éventuellement parce qu'il fait pas beau. Donc je pense qu'il y a moyen de travailler là-dessus. Pour gagner plus d'argent. On en est où là? Ça peut comment? On a une demande industrielle qui augmente encore. Est-ce que au niveau des industries standards, est-ce qu'on peut pas rajouter quelque chose? Pourquoi pas en rajouter un peu sur le port là? Comme ça par exemple. Non, pas ici. Ça va pop petit à petit. Ce sera du standard. Très bien. Là par contre, je voudrais pas que ça dépasse ça. Ça serait bien. Hop. Du commercial, où est-ce que je vais pouvoir rajouter du commercial? J'ai une demande commerciale. Je peux rajouter là, là. Sur les bords. Hop. Là, on a l'argent qu'il faut en commerce. Ici, on peut en rajouter un peu. Ça va rajouter un peu de d'attractivité à cette zone-là. Là, on est bon. Là, on a ça qui est là. Ici, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Pourquoi pas en mettre là? Donc, en faisant baisser un peu toutes mes autres demandes, je pense que ça devrait faire bouger la demande résidentielle. Après, j'ai des trucs qui sont zonés qui apparaissent petit à petit, hein, comme là par exemple. Donc, au fur et à mesure que la demande augmente, bah, vous voyez là ça augmente. Paf, ça redescend tout de suite parce qu'en fait il y a déjà des trucs de zonés, donc ça arrive petit à petit. Alors, renommée. Donc là, ouais, 5 étoiles. Donc c'est bon. Donc là, j'atteins. Ah non, c'était pas renommé, c'est prestigieuse. Donc du coup, c'est bon. Alors là, je peux réactiver. Enfin, désactiver ceci. Ah ouais, mais je redescends tout de suite. Hop là. Donc, ce qu'on va faire. On va commencer par supprimer ceci. Normalement, ça devrait pas faire bouger l'attractivité, ça, je pense pas. Alors, checkons ça immédiatement. Ah, mais si, ça a fait baisser. Hein. Si, si, ça fait baisser. Bon, alors. Ouais, donc les dortoirs rapportent quand même. Les dortoirs rapportent quand même de l'attractivité, quoi. Donc, mais oui, mais c'est pour ça, en fait. C'est pour ça aussi que j'en avais mis autant. Parce que ça en rapportait, quoi. Et eh ben on va essayer de remettre un peu. Alors, pourquoi pas en remettre un là. On va remettre un là. Pour atteindre le seuil. Donc si je fais ça. Hop, hop. Donc là il me manque. Oh, mais c'est énorme ce qu'il me manque. 220 quoi. 220 de. Oh là là, pour arriver à avoir une prestigieuse à fond, bah faut vraiment décupler tous les trucs quoi. Et si je mets un... Ah mais non, ça va pas compter. Si je mets un stade... Si je mets un stade comme ça... Ça augmenterait ça? Je sais pas si ça augmenterait. Admettons. On va voir. On va déplacer ça. Hop. Ça, on va déplacer ça. Hop. Ça. Est-ce que ça augmenterait? Ça augmentera du tout. Hein.
Stranger Things. Film de science-fiction où une femme âgée se bat contre les préjudices. Rien à voir avec Stranger Things. J'y ai cru. Est-ce que du coup, ouais. Est-ce que ça augmenterait l'attractivité? Ouais, mais c'est énorme. Après, je peux. Ouais, mais non, j'ai pas de place. J'ai pas de place. C'est l'horreur. Eh ben, tant pis, hein, je crois que. Je crois que je vais pas. Je vais pas maintenir la cinquième étoile, tant pis, hein. Parce que là, je suis sur, vraiment sur un truc qui est trop serré. Ah, et puis là, je suis à peine rentable quand même, quoi. Et si je rajoute encore des bâtiments, je vais être de moins en moins rentable. Donc si je veux augmenter mon attractivité, faut que je rajoute des bâtiments, mais ça va me faire augmenter mes dépenses. Donc du coup, je vais être moins rentable. C'est à double tranchant, cette histoire. Politique. Si j'enlève les repas gratuits, je devrais gagner plus. Ouais, ça change pas beaucoup. Ça change pas l'attractivité. Mutuelle étudiante. Hop. Ah, la mutuelle étudiante, ça rapporte beaucoup par contre. Et les érudits en visite. Ça, par contre, ça va sûrement changer quelque chose. Non. Ça augmente l'entretien de la faculté de 25%. Augmente le bonus de faculté de 25%. Hop. Ouais, bah je crois que je vais être obligé d'amputer là, d'un point. Hein. Parce que là, pour aller chercher 220 points, what? Je vais essayer. Je vais essayer, on va voir. Il nous reste quelques minutes, on va dire, sur la vidéo. Pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. On va essayer de caler quelques trucs. Club de danse. Je vais en mettre même plusieurs des clubs de danse. Histoire de voir ce que ça fait. Ça augmente de combien? 1736. Et eh ben allez, on va en remettre un troisième. Parce qu'au niveau des petits bâtiments, il n'y en a pas des masses, quoi. Ah, mais attendez, je l'ai passé le niveau là. Donc du coup, ça se trouve, j'ai débloqué école d'économie. Bah eh ben, ouais, ça y était pas. Ça y était pas. Par contre, niveau place, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est même très compliqué. Ici, c'est vraiment dommage que ça soit en pente, quoi. Et si je relève le niveau de ça, ouais, ça va prendre du temps. On va aller chercher pour l'instant un truc de danse et puis on mettra éventuellement, on changera éventuellement ça. Donc là, je pense que ça devrait être bon. Ouais. Donc là, c'est bon. Donc là, je suis rentable, je gagne de l'argent. Et on reste, on maintient notre niveau 5, donc c'est bon. Au moins, ça me permet de gagner de l'argent. Ici, on en est où? Là, au niveau des étudiants, on est juste. Au niveau des étudiants, on est juste. On en est où là au niveau université? Ouais, bah 15 000. Sachant que ça, c'est combien? 4 500. Oh, si, théoriquement, ça devrait être bon, du coup. Si je supprime l'autre. Si je supprime celui-là. Capacité 17 000, ouais. Oui, c'est bon, en fait. Ça devrait permettre... Hop, c'est pas ça. C'est ça. Ça devrait permettre à ça d'augmenter. Voilà. Bah oui, tout de suite, ouais, ça augmente à mort. Donc les travaux académiques, ça va se faire petit à petit. On va mettre une subvention. Voilà, octroyer une subvention. L'attractivité, bah ça va falloir augmenter. Mais si pour augmenter l'attractivité, il va falloir que j'augmente la taille très certainement des trucs. Pourquoi pas mettre un stade ici? De toute façon, j'ai pas mis de stade là-bas. Donc on va mettre un stade. Un stade d'athlétisme. On va l'inclure dans la zone. Est-ce que si je l'inclus dans la zone, est-ce que
Ça compte en attractivité. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que c'est augmenté. Hein. J'ai pas regardé avant, après, mais je pense pas. 672. Enfin bon, après, de toute façon, ça fait ça fait un stat, c'est plus sympa. Mais j'ai pas bougé, quoi. Bon, les étudiants, par contre, c'est bien monté, quoi, avec la suppression de l'autre truc. Hein. Clairement, les politiques, on a tout mis. Donc voilà, c'est bon. Bah, on va s'arrêter là. Je pense que déjà, on a fait pas mal de choses. Je voulais juste vous, pour ceux qui sont encore là, je voulais juste vous parler d'un truc. Je pense que ça va peut-être en décevoir plus d'un, mais je pense que je vais pas tarder à arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Pourquoi? Parce que bon, bah, après avoir passé 1 an et 4 mois, je crois. Je crois que ça doit faire 1 an et 4 mois, parce que je crois que j'ai commencé au mois de mars. Après avoir fait 1 an et 4 mois sur YouTube, avoir fait plus d'une centaine de vidéos et tout ça, ça ne monte pas, ça ne monte plus. J'arrive pas à me démarquer, les gens ne viennent pas, donc du coup, bah, c'est pas intéressant. Je passe du temps et puis je suis plus aussi. Déjà, je suis plus aussi motivé, mais en plus. Comment dire? Enfin voilà, comme j'ai pas assez de. J'ai pas assez. Comment dire? Pas que les gens qui me soutiennent ne me soutiennent pas assez, c'est qu'il y en a pas assez de nouveaux, quoi, en gros. Hein. Je suis jamais monté à plus de 166, je crois. Et ça descend, 165. 100... Enfin bon, c'est. Toutes les semaines, j'en gagne un, mais j'en perds un, donc je suis toujours stable. Mais bon, 160, c'est clairement pas assez. J'ai presque autant de vidéos que d'abonnés. Donc ça. Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est que ça prend pas. C'est que. Voilà, c'est le YouTube game qui est trop compliqué, quoi. Donc, du coup, je pense que je vais me concentrer sur Twitch. Vous savez, hein, maintenant, je joue beaucoup sur Twitch. Je suis en live tous les jours. Donc, je pense que je vais me concentrer sur Twitch. Donc forcément, sur Twitch, je fais moins de Cities Skylines. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, enfin, je vais pas m'arrêter là, comme ça, cet épisode-là. Mais vous attendez pas à avoir un épisode 60. Hein. Il y aura très certainement jamais d'épisode 60. Je pense que si on va déjà jusqu'au 40, ça sera déjà bien, sachant qu'on est au 38e là, celui-là. Donc voilà. Après, ouais, j'ai pas assez de personnes et c'est pas assez motivant pour moi de voir que ça ne monte pas. Donc après, ce serait certainement parce que je mérite pas. Hein, mais bon, voilà, je peux pas. Ça sert à rien. J'ai essayé. Hein, J'ai tenu un an, mais quand je vois que ça monte pas, voilà, je me dis bon bah voilà, c'est que je suis pas fait pour faire du YouTube, hein, c'est tout. Hein. Puis en plus ça prend du temps, j'y gagne absolument rien du tout sur YouTube, donc au moins je peux me concentrer sur Twitch où là je gagne de l'argent et je peux réinvestir cet argent pour améliorer encore une fois la qualité des lives. Donc je vois pas que l'idée de faire que de l'argent, mais vous comprenez, c'est. Enfin, avoir aucune. J'ai rien niveau. Financièrement, j'ai rien pour YouTube. Zéro, que dalle. Ça m'a jamais rien apporté. Et j'ai passé des centaines d'heures dessus. Et puis, du coup. Comment dire? En plus, comme il n'y a pas d'abonnés et tout ça, enfin, je gagne pas des nouveaux. Je vois pas pourquoi je continuerais. Je vois que ça fonctionne pas. Donc, bah voilà, faut pas s'acharner, ça sert à rien. Je pense que voilà, j'ai fait mon temps et puis et donc voilà, c'est pour ça que l'histoire va très certainement s'arrêter dans peu de temps sur YouTube. Donc voilà. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, ciao! Thank you.